I ain't no joke. I used to let the mic smoke, but now I slam it when I'm done to discourage the blokes from even cool. Rock the party with Mike and turntables, selling out shows ready, willing and able. Now you look at me like I'm a dinosaur. Man, I hope you find what you were looking for, cause to me there's two rules to being an MC. One, you gotta love it, and two, you can't be strictly for the cash or F-A-M-E. If you do, you'll probably be a fading memory. So give me two turntables, and the microphone. Just give me two turntables, and the microphone. Just give me two turntables, and the microphone. Bonjour et bienvenue à tous en direct du plateau de l'émission Soyons Raides. Alors, je vous explique les règles du jeu. On est ensemble pour une petite demi-heure et on va revenir sur l'organisation du Red Trip & Do qui a eu lieu ce week-end à Besançon, Chalzel. Pour en parler, on aura à nos côtés plusieurs invités. On a des organisateurs, on a des membres de la fac des sports de Besançon et également des sportifs de haut niveau. On y reviendra tout à l'heure. Je peux vous dire déjà qu'il y a du très très lourd, à savoir une championne olympique, un champion du monde. Je ne donne pas les noms pour l'instant. Je préfère garder une petite part de suspense. Pour l'heure, on va commencer avec Vincent Peseux, qui est directeur adjoint à l'UPFR des sports de Besançon. Bonjour Vincent, bienvenue sur Bonjour le Hugo. Plateau. Voilà, alors Vincent, c'est la 6e édition cette année du Red Trip & Do. Comment est venue cette idée de créer un tel événement sur le sol franc-comtois, donc un projet étudiant? Donc en fait, on revient en 2012. Hein. Très bien. Un événement interne existe déjà au sein de l'UFR STAPS. D'accord. Et à ce moment-là, nouveau responsable, Frédéric Guillon, nouveau prof, Bruno Girard, qui décide de reprendre l'événement pour faire quelque chose non plus d'interne, mais d'ouvert sur le monde extérieur, à des fins à la fois de professionnalisation, mais aussi de valorisation de l'unité, donc de l'UFR STAPS de Besançon. D'accord. Donc Bruno Girard, Frédéric Guillon, donc deux hommes qui gèrent la licence management du sport. Je ne dis pas de bêtises, mais ce n'est pas la seule formation proposée par l'UPFR. Il y a aussi d'autres filières, donc vous êtes directeur des études. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'organisation dans son ensemble? Donc très rapidement, effectivement, la filière management est une de nos quatre filières de formation liée à l'événement sportif, vous l'aurez compris. Et nous avons donc trois autres grandes filières, la filière éducation, qui permet de former des profs de PS et des profs des écoles. Nous avons également la filière entraînement sportif qui permet d'entraîner des éducateurs sportifs dans les différentes disciplines. Et enfin, nous avons la filière activité physique adaptée et santé qui a trait justement à tous les métiers autour de la santé, de la rééducation et des seniors. D'accord, donc quatre filières, donc du niveau licence au niveau doctorat. C'est bien ça? Exactement. D'accord, tout est bon. Alors, vous avez participé au Red Trip & Do. Est-ce que vous avez été surpris par l'organisation? Est-ce que vous attendiez à une telle fête? Alors effectivement, l'an dernier, j'étais venu simplement pour regarder un petit peu le village d'arrivée et j'avais promis à Bruno que je serais présent cette année. Alors j'ai fait seulement le 25, le no stress hier. Et effectivement, en participant, je crois que c'est là, quand on est au cœur de l'événement, qu'on s'aperçoit de la lourdeur. Hein, et de l'implication obligatoire de 300 bénévoles. J'en parlais tout à l'heure avec Frédéric qui me disait justement que sans ces bénévoles et sans bien sûr les étudiants qui sont impliqués depuis le début septembre, eh bien, un événement de cette envergure ne serait pas réalisable. Donc je crois que c'est seulement une fois qu'on y participe qu'on se rend compte de l'investissement nécessaire pour la réalisation d'un événement comme celui-ci. Très bien. Donc on va terminer par un point de vue sportif. Vous avez terminé 23e équipe sur 166 sur le parcours No Stress hier. Est-ce que vous êtes satisfait de votre performance? Donc je rappelle que vous étiez avec Nicolas Tordy qui est directeur de l'UPFR des sports. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre performance? Bah, disons que c'est vrai qu'au départ, quand on s'inscrit à une compétition, c'est pas simplement pour faire de la figuration. Le top 3 était a priori inaccessible hier, y a du bon donc à partir de ce moment-là, il s'agissait de finir le mieux possible. Il y avait un petit défi avec 4 autres équipes de l'UFR STAPS.
Bon, je crois que de ce point de vue-là, on s'en sort pas trop mal. Vous gagnez, donc, vous remportez la petite compétition. Voilà, on va pas non plus se mousser devant les auditeurs. D'accord, mais on n'est pas là pour ça. C'est vrai que c'était super. D'accord, vraiment. Donc félicitations pour cette petite victoire, mais victoire quand même. Alors, on aurait bien aimé avoir les vainqueurs du Nofir sur le plateau, mais ils sont toujours en course. Donc on ne sait toujours pas qui va succéder à Vincent Fayard, donc notre parrain du Red Trip Endu cette année. En revanche, Vincent Fayard, on l'a avec nous. Donc, on est allé le voir cette année, au cours de l'année. On a réalisé une petite vidéo avec lui où il nous a présenté un petit peu ce qu'il aimait un petit peu moins. Donc, on va vous présenter ça. Et puis après, on revient en direct avec Vincent Fayard. A tout de suite. Ah non, pas le trail, ça fait trop mal aux jambes, le VTT. Montagne, alors là, sans aucun problème. Ski nordique, évidemment, le Jura. Le Seigneur des Anneaux. ACDC pour se motiver. UTMB. Transmettre d'abord pour découvrir. Je dirais tartiflette. Faut remonter la rivière d'un, puis après on peut prendre des petites rivières pour arriver sur le Doubs. Trump, je connais pas, Poutine non plus, je sais pas. Ok. Voilà, donc de retour en direct et le plateau s'est bien rempli. Donc j'accueille maintenant trois invités. Pour commencer, Vincent Fayard. Bonjour Vincent. Bonjour. Voilà, donc vous êtes le parrain du Red Trip Endu pour cette année. Une petite question indiscrète pour commencer. On vous surnomme le Colosse. Pourquoi ? Je sais pas trop. C'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir pas trop mal aux jambes. Après, je suis plutôt un gros dans le milieu par rapport aux ablettes qui courent très vite. Moi, je suis plutôt massif. D'accord, donc pas un gabarit habituel, mais ça ne vous empêche pas de briller parce que je rappelle que vous êtes champion du monde. Vous l'êtes devenu en 2012. Et puis l'an dernier, vous avez gagné donc, le grand parcours 90 km. Cette année, vous êtes engagé sur le 45. Est-ce que c'est le choix de la facilité ou alors comment vous expliquez ce choix ? Non, ce choix, c'est que je suis en reprise après une blessure. D'accord. Et j'amenais des jeunes, donc les jeunes courent sur le petit parcours, c'était plus facile. Et voilà, mais le petit parcours est déjà bien corsé quand même. Ok, c'est pas le petit parcours, c'est le moyen, on a eu le petit hier, c'est déjà pas mal 45 km. Du coup, comment ça va au niveau de la blessure ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré ? Je ne vais pas dire que je suis rassuré, mais ça suit son cours. J'ai un peu de mal au genou à la descente, mais bon, je pense que j'ai rattaqué un peu trop vite, comme tous les sportifs, et puis ça ira mieux au fil des semaines. D'accord, très bien. Alors, j'ai une dernière question. Vous avez participé l'an dernier, vous avez gagné, et puis dans la foulée, vous nous avez dit que éventuellement, c'était possible que vous deveniez le parrain du Red Trip Endu. Alors, quelle est la particularité de cette course ? Parce que vous en avez fait beaucoup des raids et qu'est-ce qui vous a conquis dans cette course pour devenir parrain ? Bah avant tout, je pense que c'est l'énergie qu'il y a derrière. C'est quand même incroyable, tous ces bénévoles, toutes ces activités, une variété de parcours, ça change toutes les années. On arrive, on s'éclate, quoi. C'est vraiment ouvert à tous les niveaux et c'est surtout ça qui nous a plu, quoi. D'accord. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, je voudrais conclure là-dessus. Vincent Fayard, cette année, a remporté le parcours 45 km. C'était avec Benoît Fayard, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, mon petit frère. Voilà, le petit frère, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Et vous étiez avec un nom d'équipe, donc la team de Red au Buget, c'est ça ? Est-ce que je le prononce bien ? Je ne sais pas. Oui, alors, team de Red, c'est mon team officiel de Red. D'accord. Sponsorisé. Et au Buget, c'est le nom de notre club. C'est un club de course d'orientation et de Red multisport. D'accord, donc vous êtes toujours inscrit sous ce nom-là sur tous les raids que vous faites. Sur quand c'est des courses au niveau national, c'est team de raid tout court. D'accord, ça marche. Alors, on va passer à une nouvelle invitée. On reste sur du très haut niveau. Julie Bresset, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. De Soyons Raid. Merci. Alors, Julie Bresset, on va
revenir un petit peu en arrière. On est en 2012 et Julie Bresset, elle remporte les Jeux Olympiques à Londres en VTT cross-country. Voilà, donc c'est pas rien. Derrière 2012-2013, vous remportez des grandes compétitions, donc des championnats du monde, des championnats de France. Et puis derrière, un petit peu plus dur ces derniers temps, sur le Roc d'Azur en 2016, vous annoncez que vous voulez faire un petit break par rapport à la compétition internationale. On en est où actuellement ? Est-ce qu'il y a envie de reprendre ? Est-ce que c'est toujours l'envie du break ? Bah après, je suis vraiment passionnée par mon sport. Hein. Voilà, le VTT, j'adore ça. Et aujourd'hui, bah, je me suis encore éclatée, hein, même sur un autre format de course que j'ai découvert aujourd'hui. D'accord. Mais justement aussi, voilà, cette année, je fais une formation, je passe un diplôme d'État dans le cyclisme. Donc voilà, c'est bien aussi de penser à la reconversion. Et puis des week-ends dispo pour faire ce genre de raid, bah, voilà, j'en avais pas avant. Mm-hmm. Et donc là, c'était l'occasion de découvrir le raid Trip and Do. Ok, donc en ce moment, j'ai envie de dire des événements un peu plus loisirs. Est-ce qu'il y a un retour à la compétition plus officielle prévu ? Ben ça, je vais voir en fait. Ce sera vraiment au niveau des sensations et de l'énergie que je vais retrouver, quoi. D'accord. À 27 ans, c'est ça ? 27 ans ? Voilà, 27 ans. Ok. Il y a encore possibilité d'aller retrouver les sommets ? Oh bah oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai encore le temps après à voir. Voilà, je me prends pas la tête. J'aime aussi d'autres choses hein, que le VTT de haut niveau parce que c'est pas toujours facile. D'accord. Donc non, je laisse sur son cours en fait. Ok. Les envies. Donc bien occupé, je pense, par le diplôme d'État, mais ça ne vous empêche pas quand même de faire des belles performances. Donc là, cette année, vous terminez deuxième équipe mixte du parcours 45 km. C'est une satisfaction ou une petite déception ? C'est pas mal, parce c'est que mal. C'était la première fois qu'on faisait ça voilà, avec mon petit ami. Après, on s'est un peu planté sur des balises, tout ça. Donc voilà, on a perdu du temps parce qu'on était premiers. Donc c'était... Ouais, une belle performance. L'orientation toujours difficile et ça peut être assez piégeux. Merci en tout cas, Julie Bresset. Merci à vous, merci à l'organisation. D'avoir honoré l'invitation. C'est gentil. Alors, dernier invité sur ce plateau, on a Paul Petitjean. Donc, Paul Petitjean, il fait partie des étudiants cette année qui ont organisé le Red Trip and Do. Paul Petitjean, vous aviez un rôle un petit peu spécial cette année, vous étiez le speaker. Est-ce que ça s'est un peu enflammé sur le village départ cette année ? Est-ce que vous êtes fier de ce qui s'est passé ? Oui, bonjour. Oui, j'étais speaker sur le raid donc tout au long du week-end. Mes premières impressions étaient plutôt bonnes. Donc un village départ tout autour de cet événement, donc qui a répondu présent aux différentes arrivées sur les différents parcours. Donc plutôt satisfaisant, avec différents stands présents tout au long du week-end qui ont su animer ce village et rendre la fête encore plus belle. D'accord. Donc que du positif avec des stands d'animation, c'est une belle chose. On va revenir un petit peu sur l'organisation un petit peu plus en amont du Red Trip and Do. Alors je vais être un petit peu caricatural sur la prochaine question. Donc en septembre dernier, quand vous faites votre rentrée universitaire, vous prenez conscience en fait que 8 mois plus tard, il faut organiser le plus grand raid de France, donc ici même à Chalzol. À partir de là, quand on a une promotion de 40 étudiants, comment ça se passe ? Comment on s'organise ? Quel fonctionnement on va mettre en place ? Eh bien, dans un premier temps, on n'imagine pas du tout tout ce que cela implique de s'impliquer dans un projet comme un raid, comme le Red Trip and Do. Parce que tout d'abord, au départ, quand on se dit qu'on va faire partie d'une telle organisation qui est aux yeux de notre prof référent Bruno Girard, on se dit que l'organisation qui va tourner autour de cet événement est vraiment très importante et les attentes sont énormes. Donc tout d'abord, on compose donc l'organisation donc de cet événement avec un chef de projet. Donc un chef de projet qui lui sera appuyé par différents membres organisateurs et qui seront des chefs de commission logistique, chefs de commission communication, donc toute la partie aussi administrative avec un chef de commission administrative. La partie aussi au niveau du tracé des parcours, donc les tracés des parcours sans qui... il serait possible de mettre en place ce projet. Donc toutes ces commissions font partie en fait intégrante du Red Trip and Do. On se dit que c'est peut-être une organisation simple comme ça qui se fait un mois à l'avance, alors que c'est toute une organisation sur une année complète. D'accord. Donc je vais essayer de résumer rapidement. Donc
une grande chef de projet, en dessous 4 commissions, donc communication, administratif, tracé, et puis également, j'oublie la dernière, je ne sais plus, Paul peut-être que la logistique. Vous pouvez mener, voilà, logistique, et donc 40 étudiants pour ça, et aujourd'hui on se retrouve avec 770 participants, donc c'est le deuxième meilleur score en termes de participation pour le Red Trip Endo. Ce soir, les 40 étudiants, ils sont en vacances ou pas ? Non, parce que derrière toute cette organisation, il y a la préparation, mais il y a aussi le post-événement. Donc avec, il faut penser à tout ranger, tout renvoyer aux différentes personnes qui nous ont aidés pour organiser l'événement. Et d'accord, bien sûr, les remercier à la fin, tout à la fin. D'accord. Eh ben, on vous laisse terminer tranquillement cet événement. Je pense qu'il y a encore pas mal de rangements à faire. Merci en tout cas d'avoir répondu présent. Merci à vous. On va parler d'une dernière chose avant de conclure cette émission. Une chose qui me semble une des plus importantes même pour cette année. Pour la première édition, le Red Trip Endo s'associe à un partenaire associatif, donc l'association Entraide. On va visionner une petite vidéo qui va nous permettre d'introduire le sujet. Et puis derrière, on va revenir avec le président de l'association sur ses différentes actions. Allez, c'est parti. Au milieu des autres enfants, une petite fille qui court comme les autres et qui se soucie comme les autres du chronomètre. Et moi ? Toi, t'as fait 9,07 et 8,72. De mieux en mieux. Oh, purée ! Victime d'un grave accident en 2012, Lou a été amputée du pied droit. Et si elle peut à nouveau faire du sport, c'est grâce à une lame de course en carbone. Au début, j'ai vu un enfant qui était comme moi, qui avait une lame, donc du coup ça m'a envie d'en avoir une aussi. Et c'est comme ça que depuis un an et demi, Lou participe à toutes sortes de rencontres sportives. Les courses de haies ou même d'endurance ne lui font plus peur et elle bluffe tout le monde. Sur 600 camarades de classe, personne ne s'est rendu compte qu'elle avait couru avec une lame. Personne ne s'est même rendu compte qu'il y avait une petite fille équipée d'une lame pour la course. Elle a fait sa course sans problème. Et la plus admirative, c'est encore Christelle, la maman de Lou. Elle ne se lasse pas de revoir sa fille courir comme avant. Pour nous, enfin, c'est émouvant, hein, forcément. Et j'essaye d'être là parce qu'au départ, bon, il y a toujours des petites adaptations, des petites choses à faire. Et puis, elle n'est pas toujours sûre d'arriver bien à la mettre. Mais puis bon, surtout, je suis fière, quoi. Fière d'elle. Alors, on a un nouvel invité sur le plateau de l'émission de Soyons Raid. C'est Jean-Luc Clémenceau, le président de l'association. Bonjour Jean-Luc, bienvenue. Bonjour. Alors, Une lame pour courir, c'est le nom du projet que vous avez donné à l'association Entraide. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, on a vu ce petit reportage qui a permis donc, à Lou de courir aujourd'hui comme tous les autres enfants de son âge. De quoi est venue l'idée ? Comment c'est possible aujourd'hui que Lou en soit au même point finalement que les autres enfants ? Eh bien, quelques mois avant Lou, il y a eu 3 enfants dans la région où je travaille, à Nancy, comme prothésiste, qui ont fait la demande d'essayer des lames. Ça nous était jamais arrivé. Moi, ça fait presque 30 ans que je travaille. On n'avait jamais eu 3 petits loulous comme ça qui venaient demander à courir. D'accord. Et on a demandé au fabricant, au SUR, le fabricant islandais, de nous prêter des lames, ce qu'ils ont fait très spontanément. Et on a vu ces 3 gamins, en quelques secondes, on va dire en 30 ou 40 secondes, sans exagérer, courir dans le couloir. Et c'était complètement bluffant. L'idée est venue à partir de là. D'accord, donc c'est parti d'une demande et finalement ça a abouti à un magnifique projet. Alors vous avez apporté aujourd'hui 2 lames de course. Pour information, combien ça coûte une lame comme ça ? J'ai amené ça pour m'aider à parler. Une lame de course pour quelqu'un qui est amputé en dessous du genou, ça peut être facturé entre 6 000 et 10 000 euros. Une prothèse de course, pas une lame, une D'accord. prothèse complète. Donc une prothèse de course. Et pour quelqu'un qui est amputé au-dessus du genou, qu'il soit un enfant ou qu'il soit un adulte, hein, la prothèse va être facturée entre 12 000, 13 000 et 20 000 euros. Okay. Il faut savoir qu'un gamin, ça grandit. Et qu'une lame, c'est calibré de 4 kg en 4 kg et qu'il faut la changer à chaque fois. Et l'emboîture, c'est la même chose. Faites le calcul, pour un gamin entre 6 ans et 16 ans, il va y avoir 10, 12 prothèses et il va falloir les payer. Elles ne sont pas remboursées par la Sécu. D'accord. Donc, comment ça se finance au final ? Comment vous trouvez les financements de cette association ? Alors, l'idée, elle était simple. Hein. Elle était de mutualiser le matériel et de le faire passer d'un gamin à l'autre. Demander aux prothésistes de travailler gratuitement, en échange de cet engagement-là, on s'engageait à fournir le matériel. D'accord. Nous, on prête le matériel, donc on n'est pas assujetti à la TVA et le fabricant nous a fait une remise exceptionnelle, à vie. Donc c'est un contrat de confiance entre les différents partenaires, les différents participants. C'est vraiment toutes les parties, et des parties qui ont des fois des intérêts contraires, mais qui se mettent en commun au service des gamins. C'est assez chouette. D'accord, ok.
Merci Jean-Luc Clémenceau. Donc, si vous voulez aider l'association, comment on fait, Jean-Luc ? Eh ben, on fait comme vous, on crée des événements, on crée des rencontres. Il y a eu plein de rencontres là, en Bourgogne, pas loin d'ici, à Beaune, à Nuit-Saint-Georges, qui ont confronté des enfants amputés à des enfants valides, des adultes amputés avec des adultes valides. Et en fait, on crée des échanges, il y a vraiment une émulation, tout le monde a envie de participer. Il n'y a pas de recette, je crois que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et en fait, ce projet, il est vivant à cause de ça. On a des partenaires mutualistes, on a des subventions, des remises de fabricants, mais on a aussi des initiatives comme ici, comme aujourd'hui. D'accord. Merci d'être venu nous parler de ce projet. On me signale qu'on a un nouvel invité qu'on va accueillir. Donc, c'est le vice-président. Est-ce que monsieur peut venir se rapprocher ? Ce sera plus simple. Il va venir se présenter lui-même, comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc bienvenue sur le plateau de notre émission. Donc, je n'ai pas forcément entendu le rôle que vous aviez, si vous pouvez le préciser juste à l'antenne. Alors moi, je suis Ludovic Fagot, le vice-président du département. D'accord. Du Doubs, donc en charge des sports. Ok, donc quand vous voyez aujourd'hui un événement d'une telle envergure sur le sol régional, j'imagine forcément que vous êtes hyper satisfait. Bah, inévitablement, hein. Donc c'est un événementiel en tout cas qui est très important donc pour le territoire du Doubs et pour la CHGB notamment. Le département est toujours présent sur ce genre d'événementiel, donc c'est un événement qu'on accompagne. Et puis surtout, dans le projet départemental qui s'appelle CAP 25, nous souhaitons mettre en avant tout ce qui est sport donc, de pleine nature, hein, puisque vous savez que l'espace géographique du territoire est quand même tourné autour du VTT, autour donc, des raids et surtout autour du trail et du ski. Donc le département du Doubs, en tout cas, soutient ce genre d'événementiel. D'accord. Alors le fait que ce soit un projet étudiant, ça dynamise en plus l'université, ça a un impact positif sur l'université de Franche-Comté ? Je pense oui, effectivement. Moi j'ai rencontré en tout cas la jeune demoiselle qui porte le projet donc avec sa classe dernièrement. Ça s'inscrit aussi dans la formation en tout cas des étudiants et je crois qu'aussi avoir à un moment donné les pieds ancrés dans un vrai projet de territoire, dans l'organisation d'une façon globale, de mobiliser plus de 300 bénévoles, le balisage, la recherche de partenaires. Je crois qu'on est là vraiment dans quelque chose de très concret qui s'inscrit pleinement dans la formation et qui valorise nos étudiants bisontins. Et je crois que ça leur met le pied à l'étrier pour leur avenir professionnel futur. Voilà, donc 300 bénévoles, 770 participants. Encore une fois, la fête était au rendez-vous pour cette 6e édition du Red Trip Doubs. Merci d'avoir honoré votre présence sur le plateau. Le temps est venu de rendre l'antenne. Donc, j'espère qu'on se retrouve l'année prochaine encore plus nombreux. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. À bientôt. I ain't no joke, I used to let the mic smoke, but now I slam it when I'm done to discourage the blokes from even cool. Rock the party with Mike and turntables, selling out shows ready, willing and able. Now you look at me like I'm a dinosaur. Man, I hope you find what you were looking for, cause to me there's two rules to being an MC. One, you gotta love it, and two, you can't be strictly for the cash or F-A-M-E. If you do, you'll probably be a fading memory. So give me two turntables, and the microphone. Just give me two turntables, and the microphone. Just give me two turntables, and the microphone. So let me cha-cha-cha, cause you sound subpar. Too busy buying out the bar like a superstar. Remember when you...